Salut tout le monde, c'est Vosco, et aujourd'hui je vous retrouve pour l'épisode 46 de Zelda. On va prendre Epona, voilà, et on va aller au Piaf, je suis contente, voilà, la contentitude est présente. Je commence déjà à inventer des mots, tout va bien, oui, tout va bien, je suis contente. Donc voilà, on va aller voir les Piaf, je suis hypée, yoï, allez. Je pourrais une autre, blablabla, nice. Nice, je m'en fous. Hop, let's go. Donc on va aller là parce que je pense que c'est une bonne idée. Un petit pont et tout. En plus, ça l'arrête là. Oh, y a Piaf. Bon, là, il s'en va. Mais c'est pas grave, nous aussi, on s'en va. Let's go. On est motivé. Qu'est-ce qu'il y a ici? What is présent aujourd'hui? Bon. Ah! Qu'est-ce que tu me veux? Oh. Merde, j'attaque le corps, espèce de boloss. Petit chevalier. Yeah. Bon. Allez, on va y arriver. Putain, je suis pas bonne. Ok. Tac. Là, on traverse le petit pont et tout. Il y a des bambis. C'est des sœurs. On va essayer de les laisser tranquilles un peu, là, quand même. Là, j'ai vu ça me tentait de ramasser. Oh. Allez, on arrive bientôt. Oh mon dieu. Mais je vais pas louper des choses, donc c'est pour ça que je prends un peu mon temps. Et tout. Donc il y a des petites marques par terre. Oh. On peut pas rentrer ici? On peut pas y aller à triple galop, genre. Oh non, on peut pas. D'accord. Là, c'est la créature divine. Holy shit. C'est trop badass. C'est fucking badass. Regardez-moi ça. Ça, c'est ma miniature obligée. Ok, let's go pour le village des Piaf. Yeah. Bonjour. Tiens, un voyageur au beau milieu de la nuit. Je voudrais t'accueillir comme il se doit, mais je crois que ce n'est pas vraiment le moment. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu la créature dans le ciel? Apparemment, elle s'appelle Vamedo. Vamedo? Elle est apparue il y a quelques jours. Certains ont tenté de l'inspecter, mais elle a ouvert le feu sur eux. Autrefois, c'était la divinité protectrice du village. Mais aujourd'hui, elle nous tire dessus dès qu'on veut s'envoler. C'est violent? Cela dit, on s'est rendu compte qu'elle nous laissait tranquille quand on restait au sol. Du coup, pour entrer et sortir du village, tout le monde passe par cette porte à pied. Franchement, c'est pas malheureux. Ouais, c'est triste quand même. D'autres questions? On est où? Bon, je sais c'est où là, mais bon. Tu es ici au village des Piaf, mais il n'est pas très accueilli en ce moment. Si tu veux en savoir plus, demande au Piaf à l'intérieur. D'autres questions? Oh, c'est bon. Salut. Bon. En tout cas, moi je suis contente. Il y a des petites ailes et tout. Tranquille. Ok. Ramasser. Ah, c'est un arbre rouillé. Mais c'est nul, les arbres rouillés. Parce que même le truc, il nous donne pas des choses cool. Il nous donne de la merde. L'octo, là, qui bouffe des trucs. Bon, allez, on va aller explorer le village des Piaf. On est motivé. Bah oui, on est motivé. Bon, là, on est la nuit. C'est peut-être pas la meilleure idée du monde, mais bon. Oh! Une superbe truc. On va demander de l'endurance. Voilà. Nice. Ouais. C'est plutôt cool. Nice. Ok. Bonjour. Toi. Oh. Ah, bonsoir. Tu as déjà vu Vamedo? Tu sais la créature divine? Ouais, je l'ai vu. Ce machin volant inquiète tout le monde au village. Mais moi, je m'en fiche. Ma mère n'arrête pas de rabâcher que je dois l'aider au magasin. L'ennui total. J'ai pas envie d'aider au magasin. Moi, j'aimerais ouvrir ma propre boutique et y vendre ce que je veux. Si seulement
je pouvais trouver un bon endroit pour ça. Mais la musique est trop cool. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à une musique genre, tu vois, quand il y a un moment trop cool et trop stylé dans un Zelda. Ah, oh, il y a une... Ah, oh, je pensais que c'était une teinturerie, je suis comme what the fuck. Puis là, en fait, non, c'est une auberge. Bonjour. On va dormir. Bienvenue. Bonjour. Tu es encore bien réveillé, vu l'heure? Tu te trouves à l'hirondelle nichée, l'auberge du village Piaf. Un nomade, bla. What? Un lit de plumes. Ça fait quoi? Se rembourrer. Nice. Bon, on va faire la technique balai-couille. On va faire un feu. C'est la technique la plus balai-couille du monde, mais bon, on s'en fout. Hein, voilà. On est déjà violent. Voilà, on va pas payer quand même. On n'est pas motivé. J'ai pas d'armes. Le truc le plus balistique du monde, tu vois. Je m'en balistique. Je mets un feu à l'intérieur. Un truc en bois. C'est super sécuritaire. Yeah! Ben oui. Bon. Du coup, là, il y a lui. Ah! Hey, salut! Toi aussi, tu es en voyage? Oui. Il a pas l'air très rassuré. Je m'en doutais. Alors, tu te plais au village Piaf? Ben là, je le visite. C'est la première fois que je viens. J'ai toujours voulu... J'ai toujours beaucoup apprécié la simplicité rustique de ce village. Mais je crois que je n'aurais pas dû y conduire ma femme pour notre lune de miel. Entre le froid et le manque d'animation, je n'entends que des plantes du matin au soir. Misère. Si ça continue comme ça, je me donne pas cher de notre couple. Elle adore les pommes grillées et il est grand temps que je me mette au travail si je veux pas qu'elle me quitte. Le problème, c'est que j'ai pas de slack pour faire un feu. Mais go, je t'en donne. Tu as un slack? Ben oui. Oui. Merci. Tiens, ça. Oh! Pour un silex? Man! What the fuck? Bref, c'est cool quand même. C'est parti, blablabla. Je prends un... Ben allez, je t'en donne plein, hein. Moi, je m'en bats, ça, j'en ai beaucoup trop. Tu veux m'en... Ben oui, je m'en bats les steaks. Je t'ai vendu tout. Tout ce que j'ai, je m'en bats les steaks. Blablabla. Combien qui en veut maintenant? 10. Bon, d'accord. Moi, je te donne tout. Tout ce que j'ai. Par contre, j'en aurai plus, mais c'est pas grave. Blablabla. Ça donne de l'argent. Bon, on va se le noter. Non, en fait, on va pas se le noter. En fait, je vais noter... sur ma feuille. Voilà, on a fait plein d'argent. Par contre, maintenant, on n'a plus vraiment de silex, je crois. On en a combien? 2. Ouais, on en a plus trop, mais c'est pas grave. Bonjour, toi. Oh. Balai. Il s'appelle Balai, d'accord. Ok, magnifique. Tu as un souci? Tu as des soucis? Je ne l'ai pas vu. Je parle du monstre qui a commencé à incendier le ciel. Ok, c'est... le magnifique, magnifique créature divine, d'accord. Attention, notre chef. Tout en haut des escaliers. Nice. Ok. Là, il y a une petite boutique. On va aller la voir, la petite boutique. Bonjour. Qu'est-ce que vous vendez? Vous vendez des trucs, piments. Vous vendez des flèches. Je vous prends vos flèches. En plus, j'ai de l'argent. Oh, plein de trucs explosifs. Yeah. Je prends les trucs explosifs, moi. Ouais. Ça coûte super cher. Ouais, ça coûte super cher, donc on va prendre juste un paquet de 5, je vais y arriver. C'est bois sous blé, c'est rien à sucre. Ok, c'est bon. Nice. Moi, je trouve qu'il est sympa, ce petit village. Bonjour! Armure! Hein? Cool. Non, manager, je me trompe. Si tu te rends dans un lieu où il fait très froid... Oh, yes! On va avoir un truc! Tu devrais t'équiper de manger chaud. Où il fait très froid. Où sommes-nous? Je vais prendre mon Égée du Nord, par exemple. Ok. Trouve mon enfant. Blablabla. Nice, 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 nice. On y va! Et on s'achète des trucs. C'est cool, on a un truc... un habit. En fait, on a tout un... Je viens de remarquer, tranquille. On a tout un habit pour chaque truc.
On a eu le truc des auras. Ici. On va avoir... On a eu le truc Enifus de je sais pas quoi, de pierre, là, pour contre le feu. Puis là, on va avoir un truc. Et c'est magnifique. Par contre, ça coûte une blinde. Oh, fuck. C'est trop stylé. Par contre, ça coûte super cher. Voilà, ça est super beaucoup de trucs. Faudrait que je vende des choses. Ouais, attends. Est-ce que j'ai beaucoup de minéraux? Minéraux, je sais pas trop quoi. Oui, on en a pas mal. On va t'en vendre. Bonjour. Pain, rubicon. Oh là là. Je veux vendre. Parce que là, on est... C'est un peu la dèche. On a beaucoup, pas beaucoup d'argent, en fait. Oui. Hop, on va tout vendre. À part les gemmes nox, bien sûr. En fait, on va en vendre un peu, là. Parce que c'est un peu scandaleux. On va en vendre 9. 9, c'est bien. Voilà, moi, je suis d'accord avec moi-même. Déjà, c'est bien. Voilà, comme ça, on va faire masse de rubis. Et c'est très bien. Non, non, non. Hop. On vend tout. Ce qu'on va retrouver, puis c'est pas très grave. Il y a juste le diamant qu'on n'en trouve pas partout. Malgré que, ouais, techniquement, on en trouve un peu. Mais en fait, on en trouve au truc de Zora, là. Il m'en donnait tout. Les rubis, les saphirs, on en voit dans les gens de les magrocs, les taurocs et tout. Donc, voilà. Puis aussi dans les pierres aussi, là, les gisements. Donc, voilà, c'est très très bien. Voilà. Voilà. Hop, du coup, on en a... J'ai même pas checké combien. 2800 balistèques, on les achète... Attends. Peut-être pas toutes, en fait. On pourra pas toutes. Non, on pourra pas toutes. Non, non, je m'en fous, monsieur. On va acheter le bas et la tête. Voilà. Parce que on a déjà un doublé. Voilà. Yeah. C'est trop stylé. En fait, on va pouvoir l'acheter. Balistèque. Ben oui, allez, on s'en balise. On achète tout. On est comme ça. Et voilà. Je vais l'essayer parce qu'elle a l'air trop stylée. Hop. Oh mon dieu. Nous avons deux trucs de... Deux pages d'armure. C'est trop stylé, putain. Mais c'est plutôt stylé. Oh mon dieu. Je kiffe. Je vais rester habillée comme ça. Est-ce que c'est bien? Bon, c'est pas la meilleure protection du monde, mais c'est pas grave. On a la grande fée qui est juste à côté, donc c'est bien. Une autre boutique? Ah non. Oh! C'est un bébé! Bonjour? Oh. Par contre, sa face, elle est moins stylée que les A2. Mais bon, il est quand même mignon. Un peu quand même. Bon, qu'est-ce qu'il y a? 150 de cette vame et d'eau de malheur. D'abord, le papa de... Moino qui a été blessé. Ensuite, le papa de Babil qui disparaît. On est toutes mortes d'inquiétude, maman et mes soeurs. Le pire, c'est que je peux rien faire. Oh, c'est triste. On va venir vous sauver. Puis après, ben, ça va être bien. Oh, bonjour. T'es qui, toi, d'abord? Tu es en vacances? T'es un aventurier? Il y a une grosse bébête dans le ciel. Elle fait rien que nous embêter. Tu vas t'en occuper? Ben oui. Non, fais pas ça! Tu comprends? Si la bébête, elle fiche le camp, j'aurai plus d'excuses pour pas répéter et qu'il va plus me lâcher. Pour pas répéter. Ah, j'imagine qu'il y a le truc d'entraînement. Il y a un truc d'entraînement pour le vol, là. Qu'on a vu sur un panneau. Je sais pas si on l'a vu ou c'est dans la mini vidéo que j'ai faite avant. Que, puis ça l'a bugué. Non, je pense que c'est celle-là. Fait que du coup, j'imagine que c'est leur cours, eux autres. C'est d'aller voler. Peut-être. Peut-être. Enfin, ça me fait de la peine que la bébête ait fait bobo à monsieur Afar et papa de Mifo, mais bon. Mais moi, je veux pas faire de répétition. Je veux pas chanter, c'est Burke. Ah non, j'imagine que. Les gars, ils font de l'archer, vu que c'est ça. Puis eux, ils chantent. Parce qu'en fait, dans la vidéo d'avant, que ça l'a bugué, le mec qu'on a vu en rentrant au premier pont, il nous disait, oh, les gars, ils font des archers, ils sont des archers, puis les filles, ils chantent. Bon. Elle est obligée de chanter, la pauvre. C'est triste. C'est très triste. Ok, on va faire cuire. Non, pas ça. On va cuisiner nos trucs, voilà. Je vous retrouve après. Bon.
On continue notre petite avancée. C'est très sympa comme village. C'est très... Wow, je monte sur le truc tranquille. Tout va bien. Ok, on continue à monter. Moi, je trouve ça vachement stylé. Bonjour, l'oiseau qui vole. Tu veux écouter mon histoire? Bah oui. Ah, c'est Moino. C'est son papa qui a été blessé ou disparu, je sais pas quoi. C'est vrai, tu veux bien, c'est gentil. J'adore raconter cette histoire. Alors... Il était une fois mon papy à moi qui habitait ici. Un jour, mon papy, il s'était perché sur un gros arbre au flanc d'une autre montagne et il a regardé au nord-ouest. Ça, c'est sûr, c'est un souvenir ou quelque chose comme ça. Un gros arbre au flanc d'une autre montagne et il a regardé au nord-ouest. Ok. Tout à coup, un oiseau blanc très, très gigantesque qui avait l'air de voler. Alors, mon papy s'est envolé pour aller voir l'oiseau blanc. Et là, le ventre du grand oiseau blanc s'est ouvert et mon papy a vu un secret très merveilleux. C'est vrai. Et tu sais ce que c'était ce secret? C'était quoi? C'est le moment où je m'endormais. Alors, je le sais. Je sais pas c'est quoi le secret. Oh non! Tristesse. Oh, mais le grand arbre, ça, je sais où il est. Il est où? Holy shit! Il est super badass. C'est là qu'il a vu l'oiseau blanc. Ok. Nice. Qu'est-ce que ça peut être le secret du grand oiseau? Je vais pépé m'en donner maintenant. Il est trop triste. Ah oui, c'est triste. Oh merde, j'ai plus de balises disponibles. Bolos. Là, ça, je sais pas c'était quoi. Qu'est-ce que c'était que ce truc? Qu'est-ce que c'était que ce truc? Tour des collines. Oh, c'est un sanctuaire. C'est le sanctuaire à côté. Puis là, il y a un étang à côté. Ouais. Bon, d'accord. On va dégager. Voilà. Puis là, le temps, on balise pour être sûr de s'en rappeler. Ouais. C'est sympa. On a une quête. Oh, il y a un sanctuaire. On va pouvoir se téléporter rapidement. Nice, 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 nice. En plus, on va pouvoir se téléporter rapidement aussi au petit relais qui est en bas. Sanctuaire, machin. Bonjour. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympathique ici. Hop, bonjour. C'est tellement violent. Bonjour. Je t'en prie, Kill. Tu ne peux donc pas... t'empêcher de causer du souci à ta pauvre mère. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Ma petite dernière Kill n'a que les sœurs de pierre à la bouche. What the fuck? Elle me serine pour y aller depuis des heures. J'ai là 5 filles et depuis que cet animal est apparu dans le ciel, elles sont proprement intenables. Si seulement il était là pour m'aider. Enfin, j'ai assez à faire à m'occuper des petites que je peux pas me payer le luxe de me morfondre. D'accord? Et toi, qu'est-ce que tu veux? Comme ça, j'ai pas le droit de sortir du village. Soit disant, c'est trop dangereux ou je sais pas quoi. Mais moi, tout ce que je veux, c'est faire un tour aux sœurs de pierre pour chanter avec tout le monde. Il y en a marre de voir mes dos. Qu'il s'en met ton lagage. Hein, mais... c'est quoi le sort de pierre? C'est ça ici là? Lac Pipiaf. Lac Pipiaf, d'accord. Je sais pas si où les sacs, les sorts de pierre. Peut-être qu'on va savoir un moment donné. Bon, mais c'est triste. Ok. En tout cas, les gens ils sont tristes. En tout cas, ici là. À cause de mes dos de merde là. Tout le monde n'est pas content. Bon, on va aller lui dégager sa gueule. On va essayer de pas trop galérer. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Voilà. Voilà. Donc là, bonjour. Ça, c'est une maison, je pense. C'est pas un magasin ou quoi. Salut. Et dit que dans une période pareille, il se trouve encore des touristes en mal d'émotion pour venir nous rendre visite. De quoi tu parles? De quoi je parle? Tu n'arrives pas à montrer, vive dans la peur. Si j'étais un chevalier formé aux ors de la guerre, j'irais régler... J'ai postulé, c'est dégueulasse. Son compte à cette créature sans perdre un instant. Bon. Ok. On continue notre chemin.
J'ai arrêté de parler. C'est ça. Ah! On veut voler un arc sans aucun respect. Avant, on va y parler quand même. Ça fait mal. Ah, c'est lui qui s'est fait blesser. Qu'y a-t-il? Tu ne fais que passer, toi. Ce problème n'est pas le tien. Maudit soit ce monstre. Ah, ben là. Moi, je voulais t'aider. Ben là. Tant pis. Hop. Là, maintenant. Hé, je suis désolée. Allez, tu peux le prendre. De toute façon, dans mon état, je suis incapable de m'en servir correctement. Ouais, mais là, c'est pas que ton arc est nul, mais ton arc est nul. En tout cas, comparé à ce que j'ai. Comparé à ce que j'ai, c'est très nul. Regardez, j'ai du 25, 35, 36, puis du 9, là. Ouais, bon, voilà quoi. On va aller ici. Bonjour. Ça doit être une montre marque qui a de la misère avec son enfant. Bonjour. Dis-moi, voyageur. As-tu vu Vamedo dans le ciel? Oui, je l'ai vu. Tout le monde m'en parle. Nous ne savons pas quoi faire pour nous en protéger. Chaque fois que je lève les yeux, je sens peser sur moi tout le poids de cette menace. Si seulement nous pouvions enfin profiter de la vie à nouveau. Et toi, petite fille? Petit garçon, je sais pas. Ça doit être petite fille. Rien à faire. Depuis que la vilaine Vamedo... Elle fait des tours là-haut. Moi, j'arrive plus à chanter comme... Avant. Ok, c'est triste. On va vite s'occuper de ça parce que c'est vraiment triste. C'est quoi ce panneau? C'est pas nous. Place Revali. D'accord. Hop. Bonjour. Es-tu un voyageur? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ce n'est rien. Oublie ce que j'ai dit. Oui. Ne fais pas pour moi. Ok, je vais t'espionner si je suis capable. Bonjour toi. Ah, ça doit être un gars. Il ressemble pas aux autres. Bien le bonjour, petit. Bien le bonsoir, petit. Ça doit pas différencier, mais là, on est jour, donc on va dire bonjour. Bien répondu. Mon papa dit toujours qu'on reconnaît un homme bien éduqué à sa manière de nous saluer. De vous saluer. Et tu sais quoi, mon papa a promis qu'on allait jouer ensemble à son tour. Super. Carrément. À la zone d'exercice de vol. Au vol. Il suffit d'ouvrir les ailes et wouhou! Tu t'envoles super super haut. La zone d'exercice. C'est tout là-bas. Il y a genre un sanctuaire. Tu vois les drapeaux là-bas? C'est là qu'il y a la zone d'exercice de vol. J'espère que papa va revenir vite. J'ai trop envie d'y aller. Nice. Est-ce que c'est un sanctuaire? Ouais. J'ai pas de balise disponible. Ça, c'est un sanctuaire. Bon, ça, on peut le dégager. Puis juste le noter avec une étoile, mettons. Voilà, comme ça, on peut baliser notre petit sanctuaire. Voilà. Toi, je vais t'espionner de manière ultra violente. Est-ce que je peux t'espionner? Je pense pas. Bon, tant pis. Oui, blablabla. Bon, tant pis. Tant pis pour toi, là. Je sais pas c'est quoi tu voulais, mais en tout cas, c'est pas grave. Oh, je pense que ça, c'est le chef. Je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me dit c'est chef. Salut! Mais tu as un lien, on dirait. Tu te balades. T'essaies de te recentrer sur ton moi profond. On va dire ouais. Tel que tu me vois, je suis en lune de miel. Mais je ne pensais pas atterrir dans un tel trou perdu. Dans la cité Gerudo, on trouve des bijoux superbes. Le domaine des auras est un endroit riche en spiritualité. Ici, zéro. Je pense qu'à une chose, c'est rentrer chez moi. C'est vrai? C'est violent quand même. Honnêtement, j'en ai plus qu'assez. Mon mari me présente sans cesse ses excuses pour m'avoir amené ici, mais ça me donne rien du tout. Le moins qu'on pourrait faire serait de m'apporter une pomme grillée, non? C'est quand même pas la fin du monde. Oh là là. Oh là là. Ah oui, c'est chef parce que c'est la fin. Oh là là, mais la meuf. Quand même. Moi, je serais déçue si j'étais à la place de son mari, genre. Tranquille, moi, je t'emmène à une place. Bon, ok, c'est peut-être pas la meilleure, mais moi, je t'emmène à une place. Putain, tu t'en bats les steaks, genre, c'est fou violent, oh, mon dieu. Hop.
Oh, c'est tellement violent. La violence. Oh là là. Voilà, pas me griller. Tiens, madame. Quoi? Hé, hey, je connais cette odeur. Tu vas ne pas me griller sur toi. Tu vas bien m'en donner une? Ok. Salut, merci. Tiens. Waouh, ben c'est nice. C'est mon mari qui a, préparé. Oui, oui, c'est ça, c'est son mari. C'est ton mari. Comme ça, tu vas moins y en vouloir, c'est bien. Ma foi, tant que c'est bon, je vais pas faire la difficile. C'est quoi cette fille de la muerte, genre, c'est quoi ça? Ça se mange sans fin. Tant que tu peux. Ok. J'imagine que si on en... on y en donne d'autres avant de donner de l'argent. Là, on va aller parler au chef. C'est parti. Attendez. Avant, je pète ça pour être sûr. Ok, c'est bon. Bonjour. On dirait genre un hibou, je sais pas quoi. Oh, bonjour! Le gros oiseau manche là-haut, il me fiche les chocottes. Tu crois qu'il veut me dévorer? Toi aussi, le chef t'a rencontré à tel point que c'est un cuit-cuit trop méchant. Je dois avoir très peur. Très, très peur. Tu dois avoir très, très peur. Je te verrai. Est-ce que j'ai peur de ce truc? Non. Moi, je suis trop stylé. Ouais, super. Je parlais que t'es le projet. C'est chat. C'est chat. Je sais pas parler. C'est ça. Ouais, ben oui, je suis prodige, là. Attendez, je vais te prouver si je suis prodige. Le 4 dates. Yeah. Bref. Bonjour. Tiens, tiens, un visiteur. Mais... cette chose que tu portes à ta ceinture serait-ce... Où sont mes manières? Excuse-moi, jeune homme. Je m'appelle Kai. On va l'appeler comme ça. Je suis désolée, c'est pas ça. Je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à la ceinture, c'est la tablette Sheikah, n'est-ce pas? Mais oui. Non, d'un petit oiseau. Mais alors, tu es donc un prodige, comme le grand Revali. Ah, c'est le nom du prodige. D'accord, je savais pas. L'un des rares à pouvoir accéder à Vamedo. Pourtant, c'est impossible. Les prodiges ont tous péri il y a 100 ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants, héritier de la tablette Sheikah. Eh ben non, nous on a fait dodo dans un super sanctuaire de la Renaissance. Yay! Pardonne-moi, mon garçon. J'étais perdu dans mes pensées. Héritier du prodige, j'ai à te parler. Serais-tu disposé à m'écouter? Je t'en serais éternellement reconnaissant. Ben oui. Je te remercie infiniment. Maintenant, je sais que tu es l'héritier du prodige. J'ai une mission à te confier. Voyons comment présenter la chose. C'est simple, j'aimerais que tu arrêtes la créature qui survole le village Vamedo. Il n'y a qu'un seul moyen d'arrêter une créature divine. Un prodige doit entrer à l'intérieur et prendre le contrôle. Lorsque Teba et deux guerriers de notre village ont appris ça, leur sang jeune et ardent n'a fait qu'un tour. Ils sont aussitôt lancés dans les cieux, bien déterminés à prendre le contrôle de Medo. Mais la créature les a accueillis à coups de canon et une de ses salées, ouais, c'est ça. Salve, pas salée, espèce de pas bonne. Salve meurtrière, blessa le malheureux Arfort. Héritier du prodige, je te supplie de nous aider. L'un des vaillants jeunes Piaf dont je te parlais, Teba, veut rentrer. Retentez sa chance contre Medo. Trouve-le. Si vous unissez vos forces, vous viendrez à bout de Vamedo. Ok. Il faut trouver ce petit monsieur. Ok. Let's go. Est-ce qu'on fait ça tout de suite ou on fait des petits sanctuaires? Je vais faire des petits sanctuaires. Voilà. On va faire des sanctuaires, je suis désolée. On va pas continuer la quête, on va faire ça plus tard. Parce que... me semble que je fais ça à chaque fois. Genre, j'arrive, je fais le village, je fais je sais pas quoi. Puis là, l'épisode d'après, on fait l'agent de quête. Je vais aller voir sur YouTube mes vidéos. En tout cas, pour les garants, je suis allée voir Unobo. Donc, on va chercher Revali. Là, je sais pas trop ce qu'il est. Ça, c'est bolos. Ok. Des ailes, c'est elle qui voulait pas me parler. Ok. On va aller lui parler du coup. Oups. Let's go. Bonjour. Niriti. Pardonne-moi, j'ai écouté la conversation que tu as avec notre chef.
Comptes-tu réellement aider mon époux Théba à, repousser mes deux rois? J'ai vraiment lu n'importe quoi. je ne peux rien faire de plus sinon te dire où est-ce qu'il est parti. Blablabla. Alors voilà. Mon époux est. Ok. Encore, blablabla. Des armes pour affronter. Ok. D'habitude, nous accédons à la zone d'exercice de vote. Mais maintenant, nous tirons dessus dès que nous allons. Et le robot. Tu sais, d'après le poids, je suis venu. Ok. Ah, on a un souvenir. Je vais oublier complètement qu'on allait avoir un souvenir du prodige. Je suis vraiment scandaleuse. Il est trop stylé. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Revali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter... là-haut? Ah non! Suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Yeah! Comment dire? Je sais pas c'est quoi le mot. Orgueilleux, pas orgueilleux. Genre, je te prends de haut, bitch. Voilà. Héritier du prodige. Héritier du prodige, tu vois bien. Pardonne-moi, j'ai fait beaucoup d'informations. Je sais pas comment on dit ça. C'est quoi l'adjectif pour dire, genre, je te prends de haut, là, pis bah les couilles. Je ne sais pas. Col de Kigor et tout, c'est là-bas, d'accord. Je sais pas comment ça s'appelle. Je suis un peu triste. Ouais, je suis totalement triste en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, je suis désolée. Mais en tout cas, il est très. Voilà. Il est chiant, ça c'est sûr. Genre, en mode, je suis plus fort que toi, espèce de patate. C'est pas cool. Mais bon, c'est pas grave. Ben voilà, on va se diriger par là-bas. Je sais pas si Epona va pas me rejoindre, mais je pense pas. Donc voilà, hop. Voilà. En plus, on a notre truc pour anti-froid, donc c'est super. On n'aura pas froid et tout. Ah, oh, il y a un... y a des monstres. Lol. Il y a des chevaux! Ils sont mignons! Ils sont plutôt mignons! Bon, allez, on va aller au sanctuaire qu'il y a tout là-bas. Ici, voilà. Moi, je trouve ça sympathique de pas avoir froid. C'est plutôt cool. J'aime bien. Hop, le sanctuaire, on l'active. Il est enneigé et tout, c'est sympa. Voilà. On va aller voir. Théba, comment il s'appelle?
Je suis un peu une bolosse. Non, pas du tout, tu vois. Théba, c'est Théba. Bonjour Théba, on va aller le voir. Oh, il y a une petite maison. Ça doit être là. C'est sûr que c'est là. C'est sûr. Hop, hop, hop. J'ai même pas réussi à sauter dessus, bravo. Hop. Qu'est-ce que tu veux? Je suis très occupé. Ne te mets pas dans mes pattes. Sinon, mais violent, moi je viens t'aider et tout. On va le prendre. Parce que sûrement que ça va nous aider. Parce que sûrement on va avoir besoin de faire des trucs dans les airs. Donc voilà, c'est une bonne idée. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que les piafs ils sont comme, je sais pas c'est quoi la, c'est comme snob un peu, je sais pas comment dire. Bref, bonjour toi. Qu'est-ce que tu veux? Ne viens pas me déranger, je vais t'aider. M'aider à faire quoi? Vamedo, un instant. Tu te présentes ici, tu es au courant pour Vamedo. Est-ce que le chef ou ma femme, est-ce le chef ou ma femme qui t'envoie? Dans ce cas, tu m'as trouvé étranger. Je suis bien Théba. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Link. Link, ce nom m'est familier. Link. J'imagine que c'est notre chef qui t'envoie pour me ramener, pas vrai? En effet. Évidemment, il n'y a que le chef pour faire ainsi confiance au premier venu. On t'a probablement demandé de me ramener au village avant que Medo me provoque une autre tragédie, pas vrai? Désolé de te décevoir, mais ma décision est prise. Je n'ai suivi l'entraînement des guerriers piaf pour fuir le danger. Je ne courberai pas les chines devant ce monstre. Je reviendrai pas au village sans avoir vengé le sang de mon ami. Non, je ne reviendrai pas au village piaf. C'est qu'à une condition. C'est que nous mettions fin au règne de Vamedo et que à son balai lugubre au-dessus de nos têtes. Vamedo doit tomber. Je n'aurai pas de repos avant de l'avoir à terre. Quand sa funeste silhouette aura cessé d'assombrir notre ciel, alors seulement je reviendrai au village. Je sais. Comment tu sais? On t'a parlé de moi au village, c'est ça? Les gens savent à quoi s'en tenir. Quoi qu'il en soit, le chef a raison. Pour attaquer de l'intérieur. Tu es vraiment prêt à lancer dans le... Oui. Non seulement, t'as pas d'aile, mais tu serais pas un peu lent pour la détendre en plus. Bon, je t'explique ça. Les personnes capables d'ouvrir l'accès à la créature sont les 5 prodiges. Le problème, c'est que tous ces héros sont morts il y a 100 ans. Les Ganon et les a. Puis non, ça se fait comme ça. Tu n'as pas besoin de connaître la suite pour tenter de t'introduire dans Vamedo. Si tu jettes sur elle comme un fou, ça sert à rien, blablabla, chacun son nom, blablabla. Il y a fort dans le ce ravin. Tu as suivi de tenir une pièce de tissu au-dessus de ta tête pour flotter dans les airs. Voyons comment tu t'en sors, c'est Piaf. Diriger habilement pour détruire 5 en 3 minutes. Go! Let's go. On va faire ça. On va prendre l'arc l'hirondelle. Vite, vite, vite. Ok, go. Hop. 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 What? Combien il en faut? Truc? Ah bah voilà. On est par ici. En fait, on fait la 4 piaf. On va se quitter juste après ça, là, parce que là... Voilà, quoi. Dernier chef talentueux, on aurait dit que le temps t'arrêtait chaque fois que tu décrochais une flèche. Pardonne-moi, Link, je t'ai sous-estimé. Ta maîtrise de l'arc est impressionnante. Tu as dû en traverser des épreuves pour arriver à un tel niveau. C'est ça. J'imagine.
Link, c'est ça? Ça me plaît bien. J'ai une faveur à te demander, Link. Viens avec moi, allons battre devant ensemble. Non, d'accord. Un arc amélioré par mes soins, prends-le. Ok, nice. Et c'est... Wow, il est trop stylé. Visée rapide, blablabla. What? C'est trop stylé, putain. 20 en plus. C'est quoi la différence? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est plus fort. Peut-être que c'est plus rapide quand on bouge comme ça. Bref, on va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Et du coup, prochain épisode, on va s'occuper de Vamedo. Et ça va être sympathique. En fait, on va faire l'épreuve pour aller à Vamedo. Puis le prochain épisode, après... J'ai frappé mon micro. Après, on va faire Vamedo. Et ça va être cool. Du coup, moi, je vous dis au revoir. Attends, on fait un petit selfie. On fait un petit selfie à côté de notre petit ami papoute. En plus, c'est l'arc de Revali. C'est nice. Voilà, on fait un petit selfie à côté de notre petit Nampapote. Du coup, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.